dernier jour de ce sommet. Après 2 jours de travaux, les dirigeants des puissantes économies du monde ont réaffirmé leur accord de principe de mener des actions en faveur des économies des pays les moins avancés. Si la réflexion sur le climat va se poursuivre à Glasgow, au plan économique et sanitaire, quelques avancées significatives ont été notées. La voix de l'Afrique, portée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé un écho favorable. Bien, il s'est adressé plusieurs fois à ses pairs. De l'Afrique et de la RDC par rapport à ces questions, mais également la nécessité d'avoir un regard particulier pour le continent africain, qui est celui qui est le plus en retard en matière de développement. Et donc, surtout, et cela s'est retrouvé dans toutes les décisions, dans toutes les résolutions prises. Eh bien, tous les leaders mondiaux ont convenu qu'il fallait accorder une attention ou un traitement particulier aux pays les plus en besoin d'appui de divers ordres. La voix de l'Afrique a été entendue et c'est une évidence parce que aujourd'hui, le développement durable dépend en grande partie de la manière dont l'Afrique va se développer, car l'Afrique est la partie du monde la plus dynamique sur le plan démographique et celle qui a le plus grand retard à rattraper en termes économiques. L'autre résultat concret du sommet de Rome aura été l'approbation de la réforme de la taxation internationale. Invitée au sommet, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce a salué le plaidoyer fait par le président en exercice de l'Union africaine. Pour le G20, je pense que Monsieur le Président, il a vraiment prononcé des discours très, très calibrés, très importants pour l'Afrique. C'était très clair ce qu'on veut pour nous en ce qui concerne nos demandes vis-à-vis le G20. En ce qui concerne le climat, le changement de climat et l'environnement, on demande les 100 milliards de dollars qu'ils ont promis pour nous aider à faire la transition climatique. En ce qui concerne la pandémie, on demande l'accès au vaccin. C'est tout, parce que ce n'est pas possible de voir que 60% de pays développés, que le 60% de la population sont vaccinés en comparaison avec 100% des Africains. Donc, c'est simple. Après Rome, les leaders mondiaux vont se retrouver dès ce lundi à Glasgow dans un format beaucoup plus large pour parler climat. Pendant ces temps ici au pays, après le lancement de la deuxième phase du projet de développement des 145 territoires de la République démocratique du Congo à Songololo, le Premier ministre a effectué la visite au port de Matadi pour s'enquérir de réalité du terrain, nous dit Patty Tondouango. Ces jours de travail dans le Congo central, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge a voulu personnellement palper les réalités du port international de Lounatra, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Au nord de la police, passage des troupes en revue. Les chefs du gouvernement pouvaient lire à travers les affiches les désiderata des travailleurs qui réclament les paiements réguliers des salaires et la fermeture des ports privés. Un tour a suffi à Jean-Michel Samalukonde Kenge pour voir la vétusté des matériels et la quasi-absence des bateaux accostés. Après ce constat amer, le cortège du chef de l'exécutif national a pris la direction d'un port privé à comparer avec celui de Lounatra, c'est les jours et la nuit. Le Premier ministre a eu un entretien de quelques minutes avec les responsables du port. Cette visite a constitué le point de chute de la mission de Jean-Michel Samalukonde Kenge dans le Congo central. Le chef de l'exécutif national a choisi le pont Maréchal qui mène vers l'aérodrome Matadi Chimpi pour résumer sa mission dans cette province. Nous avons profité de cette visite pour respecter les instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République sur les projets de développement à la base, c'est-à-dire dans nos territoires. Nous avons profité de l'occasion pour nous assurer que les travaux se passent pour le moment avec la banque syndicale de l'EPST, que tous les travaux se déroulent bien. C'était à Kisantu, en Bois la Loge précisément. Et nous sommes arrêtés particulièrement à Kimpese et à Songololo dans le cadre du lancement des travaux dans le secteur santé, le secteur de l'eau et le secteur de l'éducation. Nous avons poursuivi ici où nous devions prendre toute la température par rapport à la province, toutes les difficultés de la province. Nous avons tenu un conseil de sécurité, rencontré toutes les forces vives ici et c'était une bonne occasion, une bonne visite. Nous repartons avec une sensation claire
par rapport au Congo central. Nous avons promis d'y revenir, mais nous allons surtout nous pencher sur les problèmes qui nous ont été posés ici. Ainsi s'achève la mission du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge dans le Congo central. Parlons à présent des infrastructures. Les travaux de réhabilitation de routes dans le cadre du projet Tshilegelu initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi évoluent bien à Kinshasa. En Ngiringiri par exemple, la pose de la couche de base et des fondations sont terminées et l'expérimentation de la planche d'essai ont démarré sur l'avenue Asosa. Le constat est de Robert Ndaïtchisansi. La construction des routes périphériques dans le cadre du projet Tshilegelu avance à la satisfaction de la population. Sur la route Makanza, à la fin des travaux, il est prévu de construire 1950 mètres de caniveau et de réparer certains d'autres existants pour réutilisation. Dans le plan de l'entreprise grecque 7, au-delà des travaux d'assainissement qui évoluent très bien, entend construire les bordures et les trottoirs sur les deux côtés de la route. À ce jour, 100% des travaux sont déjà réalisés. En présence du laboratoire national, du directeur des opérations de l'office de drainage et des voiries et de la mission de contrôle, les planches d'essai avec base mastique ont été réalisées avec succès. Pour la population, la circulation intense des véhicules risque de provoquer des accidents, d'où la demande adressée à l'entreprise Grec 7 pour construire des dodanes. Cette route, comme c'est une nouvelle, et que les enfants n'ont pas cette habitude de traverser ayant peur de véhicules, et la façon dont le véhicule roule, c'est trop dangereux pour les enfants. C'est pourquoi nous suggérons que si les autorités peuvent nous mettre les dodanes pour que les véhicules ralentissent la vitesse, ça va épargner les vies humaines. Ce produit des revêtements en polymère sera expérimenté très bientôt dans les provinces du Kasaï central et Kasaï oriental. Le projet du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour construire des routes périphériques, prend corps et avance à pas de géant. Le projet Tshilegelu est également visible dans la province du Kasaï. Le Kasaï central se relie du Kasaï oriental au niveau du territoire de Dimbelenge par le pont Mwanzangoma. Coupé depuis deux années, cet ouvrage vient d'être réhabilité dans le cadre de ce projet, je disais le projet Tshilegelu. Le gouverneur de province Tarsis Kabatusui Lambuyamba est allé s'assurer de l'exécution de travaux avant sa livraison aux bénéficiaires. Le pont Mwanzangoma sur la route numéro 1 reliant la province du Kasaï central et la province sœur du Kasaï oriental que le gouverneur Ayi Tarsis Kabatusui Lambuyamba a commencé l'évaluation des différents chantiers en cours d'exécution. Long de 27 mètres, ce pont dont le coût total est de 190 millions de francs congolais, soit 96 000 dollars américains, sera inauguré dans un avenir proche par le ministre national des Travaux publics et infrastructures. La première route qui nous a intéressé, c'est la route nationale numéro 1. Le pont de Tibashi, à quelques 12 km de la ville, et le pont Mwanzangoma, à plus ou moins 42 km de la ville. Ce pont était dans l'eau, cassé, comme vous le savez, et qui a fait à peu près 3 ans et demi sans être rétabli. Grâce à notre propre intervention, donc les efforts personnels, les efforts locaux, nous avons mis ce pont en marche. Dans la suite de ces visites, les infrastructures routières, les chefs de l'exécutif provincial Tarsis Kabatusui Lambuyamba a fait la ronde dans plusieurs territoires pour constater le niveau des travaux de construction de certaines écoles prêtes à être livrées aux bénéficiaires. C'est le cas des territoires de Demba, Dimbelenge, Dibaya pour la première série. Ce même genre de travaux s'exécute également dans la province du Maniema. Le gouverneur Idrissa Mangala a inspecté le tour au bloc Tekedi, bloc plateau, au pont Kandjolo, le marché central et même le palais des justices de la ville de Kindu, dans le cadre d'évaluation de quelques chantiers en construction dans cette province. Une satisfaction à 80%, nous dit Rodé Panda. La construction des infrastructures lancées depuis un temps dans différentes municipalités de la ville de Kindu au Maniema avec les financements propres de la province. C'est toute la raison de la visite d'inspection effectuée ce dimanche 31 octobre 2021 dans différents chantiers par le gouverneur à Idi Maniema, à Fanny Idriss Mangala, le chef de l'exécutif provincial.
provinciale a visité tour à tour tous les chantiers tels que le bloc Tokedi, pareil au niveau du bloc plateau où l'on construit des dallos pour la remise en état en béton armé, le pont Kanjolo, présentement sous menace de l'effondrement, suivi de l'avenue Njolo reliant les quartiers Tokolote et l'université de Kindu. Après un clin d'œil, la semaine dernière, au marché central de Kindu, Afani Idriss Mangala y est revenu pour rassurer les vendeurs de la construction de ce marché pour sa modernisation. Ces passages à ces lieux de négoce étaient de l'aubaine pour les vendeurs qui ont reçu l'autorité provinciale pour s'approvisionner en vivres. Le chantier du palais de la justice, exécuté par la division provinciale des infrastructures et travaux publics, a servi de point de chute. L'évaluation faite révèle que le niveau d'exécution a atteint 80%, tout en promettant d'y revenir pour un suivi au quotidien. Ce côté de la ville de Kindu a été oublié par beaucoup de politiciens. Donc, comme nous sommes de l'école du peuple d'abord, nous sommes en train de visiter là où la population est abandonnée. Nous sommes obligés de désenclaver et d'aller gentil au direct avec le centre-ville. À cette ronde de chantier, s'est greffée la rencontre avec le groupe de jeunes des Jamaïcains, ceux de l'Asbel Assemblée, ainsi que Banafrap, pour leur prêcher leurs valeurs sociales et humaines pour développer province Maniema. En dehors de nos frontières, la RDC est bien vendue et représentée à l'Expo Dubaï 2020. Ce matin, le ministre d'État des Émirats Arabes Unis en charge de pays africains a visité les stands de la République démocratique du Congo et d'autres pays africains. Le ministre d'État a dit sa satisfaction après cette visite au pays, au stand du pays de Félix-Antoine Tshisekedi. Commentaire, Lopez Kakouba. 2020, on en parle encore aujourd'hui, le 1er novembre 2021, par la visite du ministre d'État des Émirats Arabes Unis en charge de pays africains. Cheikh Chakbot Nayan Al Naïnia a visité plusieurs stands, notamment du Gabon, de l'Éthiopie, du Ghana, du Mali, du Burundi, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État s'est dit satisfait après sa visite dans le pavillon du pays de Félix Antoine Tshisekedi et a adressé ses très sincères et chaleureuses félicitations. Ayant appris cette nouvelle du ministre d'État des Émirats Unis dans les stands congolais, Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, s'est réjoui de cette visite car la RDC est un pays qui offre des opportunités pour le développement de l'Afrique. Le ministre du Commerce extérieur accompagne la vision du chef de l'État, surtout que la RDC a tous les potentiels pour jouer un grand rôle dans les échanges internationaux en général et avec les pays de développement en particulier. La visite du ministre d'État des Émirats Arabes Unis en charge de pays africains de ce lundi 1er novembre 2021 est un signal fort. Cheikh Chakbot a eu droit à des explications sur les produits congolais d'origine agricole, artisanale et agro-industrielle. Ceci pour renforcer la promotion des exportations et des échanges commerciaux de produits congolais à travers le monde. Comme annoncé au lancement de construction de parking motocycliste à Gombe, l'opération devait se poursuivre. Eh bien, le parking motocycliste dans la commune de Bandalungwa a été inauguré ce matin par le ministre de Transport, le ministre provincial de Transport, Amos Mbokoso. Et un bien public dans la pose de la première pierre a été effectué il y a 3 semaines. Le détail dans ce reportage de Joël Makela. Le premier parking moderne pour motocyclistes, désormais opérationnel à Kinshasa, à la place Mollard, dans la commune de Bandalungwa. Il a été inauguré ce lundi 1er novembre 2021 par le ministre provincial de Transport, Amos Mbokoso. Ce terminal servira de lieu de référence d'aller-retour des motos affectées au transport urbain en commun. Selon Amos Mbokoso, la construction d'autres parkings de ce type s'étendra à travers toutes les communes de la capitale. Ça c'est une des réalisations et nous allons continuer comme ça dans toute la ville de Kinshasa. Nous allons essayer de construire des parkings dans la mesure du possible avec les moyens de bord que nous avons pour que les conducteurs des motos et des véhicules travaillent dans de bonnes conditions. Le ministre provincial de Transport a aussi rappelé à la population que la police devra arrêter les motocyclistes en cas d'une infraction de circulation du genre de rouler sur la voie contraire, d'un accident et d'autres infractions définies par la loi.
Les bourgoumestres, quant à eux, sont autorisés à percevoir la taxe de numéro à hauteur actuellement de 5 000 francs congolais auprès de motocyclistes. Les autres taxes étant réservées à l'hôtel de ville par l'entremise du ministère des Transports qui s'occupe de la gestion des transports urbains de la capitale. Pour leurs actions sociales et spirituelles dans la vie de chrétiens de la République démocratique du Congo en général, mais ceux de Kinshasa en particulier, le bourgmestre de la commune de Limété a remis à titre posthume un trophée de reconnaissance au couple berger du ministère chrétien du combat spirituel, papa et maman Olangi Oshoué. C'était à l'occasion de la clôture des festivités marquant le 30 ans de leur ministère. Marthe Mangazakalala nous en parle. Commencé le 17 octobre 2021, les festivités marquant les 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel, notamment en présence du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été clôturés ce dimanche 31 octobre 2021 au siège international d'adoration à la 17e rue Limité, la cité des triomphes. Des grandes manifestations auront marqué cette célébration. La 13e convention mondiale de la CFMC et le 5e symposium international sur le combat spirituel. Les chrétiens combattants venus des quatre coins du monde ont été interpellés quant à l'exécution sans faille de l'engagement de continuer cette œuvre dans la droite ligne des dernières volontés des papas et mamans Olangi, d'heureuse mémoire. Pour le président de la Fondation Olangi Osho, Alain Gabriel Olangi, l'âge des 30 ans est un symbole de la maturité, se référant ainsi à notre Seigneur Jésus-Christ qui a commencé sa mission en ces moments précis de sa vie sur terre. Même si les parents ne sont plus de ce monde, ils ont été rappelés à la félicité céleste. Je pense qu'il est de bon aloi de célébrer ces 30 ans pour rendre grâce à l'Éternel qui a fait subsister ce ministère pendant toutes ces années et rendre hommage également à ses serviteurs d'heureuse mémoire. Cette cérémonie haute en couleur qui a connu également la participation d'éminents serviteurs de Dieu, tant de Kinshasa que du monde entier, a aussi été une occasion pour les bourgmestres de la commune de Limété de remettre à titre posthume un trophée au couple berger papa et maman Olangi. C'est en signe de reconnaissance des œuvres sociales, sanitaires et éducatives entreprises et laissées par les illustres disparus, a dit le maire en remettant ce trophée au président Alain Gabriel Olangi qui a par la suite procédé à la clôture solennelle de ces festivités. Restons toujours dans le cadre des actions sociales. La Fondation Grâce à ma mère a organisé une formation de 56 mères en coupe couture. C'est le directeur de cabinet de la ministre du genre, famille et enfants qui a procédé au lancement de cette formation, nous dit Edith Tchala pour le reportage. Centaines de filles mères à recevoir une formation gratuite en coupe et couture. C'est une promesse tenue de la Fondation Grâce à ma mère qui s'est fixée entre autres missions la lutte contre toute forme de précarité de la femme et la jeune fille par l'apprentissage des métiers. L'organisation de cette formation répond à un double impératif. D'une part, doter ces femmes des capacités techniques pouvant leur permettre d'exercer un métier digne et d'autre part, contribuer au développement de la classe moyenne par la création des activités génératrices des revenus. La formation est prévue pour une durée de 3 mois. Elle débutera le 1er novembre 2021 et prendra fin le 31 janvier 2022. La ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya Luseba, qui est très engagée dans l'autonomisation de la femme, s'est fait représenter par son directeur de cabinet qui a lancé la formation. La femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources, et qui jouit pleinement de ses droits sociaux, participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité. Le lancement ce jour de la formation gratuite accélérée en coupe et couture pour 50 jeunes filles démunies répond au respect de l'enseignement politique et juridique fondamental de l'Union africaine. Parmi ces filles mères, 30 vont bénéficier de l'expertise de Mwinda Industries que dirige Matim Boya avec ses ateliers modernes de modélisme. Et le deuxième vice-président du Sénat appelle à l'unité à toute la population de Guémena et à la cohabitation pacifique. Une interpellation qui tombe à point nommé ou qui tombe à pic juste après la construction du Mirail de Guémena.
belle page de l'histoire qui s'écrit dans la ville de Guémena avec la construction de la grande muraille Bana Guémena Community Hero. Longue de 20 mètres de largeur et 5 mètres de longueur, la muraille de Guémena, une initiative du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoma Temongonde Mossai, est érigée pour célébrer les personnalités locales qui ont joué ou continuent à jouer un rôle d'inspiration pour les jeunes de Guémena. Le peuple d'abord. Quand on parle peuple d'abord, c'est-à-dire rêver ce que rêve, ce que pense le peuple, et c'est seulement de le faciliter à atteindre leur objectif. Selon l'histoire, beaucoup de gens qui ont beaucoup investi dans ce coin-là, mais personne ne pouvait les relever à des niveaux qui convenaient. Elle sert désormais d'un document historique pour récompenser les mérites d'Edine Fils du Sud-Ubangi. Cette œuvre artistique de haute facture est réalisée par un artiste peintre mural de nationalité malienne, Idrissa Konaté. La muraille de Guémena est esthétiquement construite en harmonie avec l'environnement naturel en incorporant les vastes ciels. On y trouve des photos des personnalités comme Janombe Mbassaolona, Movoto, Mama Yemo, Tata Pelendo, Passivalu et le célèbre joueur Yaoundé. Motif de satisfaction pour la population. Vice-président, il y a Sénat, Papa Sangouma. Je remercie le sénateur Sangouma pour cette œuvre qui nous met en contact avec les personnalités qui ont marqué l'histoire de notre province, que les autres fils du Sud-Ubangi emboîtent ses pas. Sous l'inspiration du sénateur Sangouma, il a accepté à ce que puisse concevoir ça en mémoire de ceux qui étaient déjà partis, qui ont marqué l'histoire. Cette muraille de Guémena sera inaugurée ce jeudi 4 novembre 2021 devant plusieurs personnalités, dont 8 sénateurs. Hier était le jubilé d'argent en mémoire de Mgr Christophe Munziri Roy, archevêque de Bukavu, assassiné par les ennemis de la paix lors de la prise du pouvoir par le rebelle Afdel. Une célébration eucharistique a été dite par le Mgr Bafoui Ndissoni ici à Kinshasa parmi les ressortissants de cette province qui ont pris part à cette messe. Le président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, et la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Doucy. 1996-2021, exactement 25 ans, jour pour jour, que disparaissait de façon tragique Mgr Christophe Munziri Roy, alors archevêque de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Après un symposium de 4 jours organisé en sa mémoire au Centre culturel Boboto, où un diplôme de mérite lui a été décerné à titre posthume, les chrétiens catholiques en général et les fidèles de l'archidiocèse de Bukavu et autres notables vivant à Kinshasa en particulier se sont souvenus de ces grands serviteurs de Dieu qui fut abattu froidement au niveau du rond-point Nyawera par les éléments de l'AFDEL à la prise de cette ville pour sa vérité, son courage, sa foi chrétienne et surtout son combat pour sa patrie. C'était au cours d'une célébration eucharistique de son jubilé d'argent organisé dimanche 31 octobre 2021 en l'église du Sacre-Cœur dans la commune de la Gombe à Kinshasa, co-célébré par 3 évêques, Messeigneur Donatien Bafoui Ndissoni, du diocèse d'Inongo au Maïndombe, Sébastien Muyengo du diocèse d'Uvira au sud Kivu et Marie-Bernard Fansaka de Popokabaka. Dans son homélie, l'officier principal du jour, Monseigneur Donatien Bafoui Ndissoni, qui a axé sa méditation sur psaume 17, a exhorté l'assistance à l'amour du prochain et à la prière pour demander la béatification par les saints-pères et serviteurs de Dieu, Monseigneur Christophe Munziri Roy. J'exhorte les uns et les autres à suivre l'exemple de Monseigneur, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup donné de sa vie pour les autres. Même dans sa vie, du début jusqu'à la fin, il n'a cessé de se sacrifier pour nous, pour les chrétiens et pour le peuple de Dieu. Plusieurs personnalités, tant du monde ecclésiastique que politique, ont pris part à cette Eucharistie, parmi lesquelles professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, et Claudine Doucy Mwankembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. La mairie de Beni, dans le Nord Kivu, a désormais un nouveau bâtiment moderne. La coupure symbolique du ruban a été faite à l'inauguration par le maire de Beni. Reportage.
L'hôtel de ville de Beni fonctionnera désormais dans un nouveau bâtiment qui répond aux normes du standard international. Ce nouveau bâtiment, qui va abriter les bureaux de la mairie de Beni, a été inauguré par le maire policier de Beni, commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kachalé, devant plusieurs mandataires des services étatiques et para-étatiques présents pour la circonstance. Avant que l'autorité urbaine entre dans son cabinet de travail, le bâtiment a été béni par l'homme de Dieu avant que des rites coutumières soit également observé. Le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kachalé, n'a pas manqué à rendre hommage à tous ceux qui ont concouru pour l'aboutissement des travaux de construction de ces nouveaux bureaux. Cet événement historique, et surtout qu'il s'agit ici d'un premier bâtiment administratif de l'hôtel de ville de Beni, à être inauguré depuis l'époque coloniale. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis de remercier d'abord le Dieu Tout-Puissant qui a permis de nous retrouver une fois encore devant ces magnifiques ouvrages, ainsi que mes prédécesseurs qui se sont donnés corps et âme pour avoir mobilisé les bienfaiteurs pour les moyens financiers qu'ils ont disponibilisés à cela d'une manière régulière et sans interruption, pour la réalisation de cette œuvre que nous inaugurons en ces jours. Le développement de Peuple Ntois, la dynamique de groupes de peuples autochtones a lancé la construction des infrastructures scolaires et sanitaires dans le campement de ce peuple. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, qui soutient cette initiative, a amorcé le développement des Pygmées, s'est rendu à Lokoku dans le territoire de Bikoro pour l'inauguration. Reportage à Nimbalaka et René Nguangu. Sociale des Pygmées dans la province de l'Équateur, au centre d'échange et de partage entre le gouverneur Bobo Boloko et le coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones, Patrick Aimé Dissaïdi. La DGPA assure la construction des infrastructures scolaires et sanitaires dans les campements des peuples autochtones Pygmées. Nous construisons une école primaire et secondaire et puis nous sommes en train de construire aussi un centre de santé en faveur de ces communautés. Hormis ces activités de construction des infrastructures, nous sommes maintenant en train de conduire cette communauté pour avoir une concession de forêt de communauté locale où nous sollicitons l'appui de son Excellence Monsieur le gouverneur de l'Équateur pour nous accorder un arrêté. Le gouverneur Bobo Boloko, accompagné du rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale, a pris l'engagement d'accompagner toutes les initiatives du développement des toits ou pygmées dans sa province au siège administratif de la DGPA à Kinshasa. Le gouverneur, ayant vu le travail que nous avons réalisé, il a promis et a pris certains engagements de nous accompagner et contribuer en termes de fourniture scolaire aussi de bancs pour cette école-là, afin que les enfants autochtones pygmées puissent étudier dans de bonnes conditions comme tous les autres enfants de la République démocratique du Congo. Et il a promis de soutenir la DGPA dans les limites de ses moyens. Bobo Boloko a décidé de se rendre à Lokoku, dans les territoires de Bikoro, pour inaugurer personnellement les infrastructures scolaires et sanitaires de base. La création de petites et moyennes entreprises était au centre des échanges de la conférence débat des étudiants des différentes universités de la capitale. Entrepreneuriat au cœur de la jeunesse était le thème de cette conférence qui veut initier la jeunesse étudiantine à une prise en charge à la création des entreprises au lieu d'être les commandeurs d'emploi. L'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse. Ce thème a fait l'objet d'une conférence débat organisée par la communauté interuniversitaire. Les participants à cette conférence, qui sont essentiellement des étudiants des différentes universités de la ville de Kinshasa, ont concentré leurs échanges sur la création des petites et moyennes entreprises. L'orateur du jour, Olivier Chambaï, a expliqué de manière approfondie les concepts entrepreneuriat qui, selon lui, fait allusion aux affaires, la résolution des problèmes et l'amélioration des systèmes existants. Tout ceci porte sur les idées et l'observation de la société qui sont des principes élémentaires dans l'entrepreneuriat. Une occasion pour ces étudiants d'exprimer à juste titre la pertinence de cette conférence. À travers cette conférence, l'idée, l'initiative est de cultiver ou d'initier la jeunesse à développer une philosophie entrepreneuriale.
De nos jours, les temps sont difficiles. Et pour subvenir aux différents besoins de la vie, il faut être dynamique. Et le dynamisme se voit en entreprenant plusieurs choses dans la vie. La philosophie est d'appliquer la théorie anglophone. Les anglophones, quand ils sont jeunes, ils ont un pied dans les études et un pied dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est par essai et erreur que la science évolue. Les jeunes doivent promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat à partir des idées et l'observation, socle du développement de tous les pays dans le monde. Vous le savez, l'année académique 2020-2021 a été clôturée depuis le samedi et une cérémonie de collation de grades a eu lieu dans plusieurs universités, non seulement de Kinshasa, mais également de plusieurs universités du pays. Aujourd'hui, nous vous proposons l'étape de l'Institut supérieur du développement rural, l'Université des Guadeloupéens, l'ISTEM Lomami à Cabinda et l'Université libre du pays de Grand Lac. En commentaire, Anim Balaka. Université libre des pays des Grands Lacs met sur le marché de l'emploi 230 lauréats gradués, licenciés et masters à la clôture ce 30 octobre 2021 de l'année académique 2020-2021. Ils ont reçu leur grade dans une ambiance estudiantine marquée par des discours de plusieurs acteurs, parmi lesquels les gestionnaires de l'institution, les lauréats, les anciens étudiants, les pasteurs de l'ESSC et les scientifiques, ceci en présence des autorités politico-administratives et ecclésiales, dont le révérend pasteur André Gédéon Bokundoa, président national de l'ESSC. Le recteur de l'ULPGL, professeur Dr Wasso Missona Joseph, s'est félicité de l'adaptation faite par son institution durant la période de la pandémie en respectant les instructions et le calendrier académique. Cette grande réforme que vient d'initier son Excellence Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, nous travaillons maintenant pour essayer d'adapter notre université à cette nouvelle configuration. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, commissaire divisionnaire Omi Ekuka Lipopo, a présidé la double cérémonie des collations des grades académiques et de clôture de cette année, a précisé que l'état de siège a permis aussi cette fin d'année et félicité les lauréats et ainsi que les autorités de l'UNPGL tout en exhortant ceux-ci à l'entrepreneuriat. La réalisation de cette vision exige la collaboration de toutes les parties prenantes, disait du secteur éducatif pour permettre notamment le dialogue participatif et permanent afin d'améliorer la gouvernance du secteur éducationnel. Au courant de l'année clôturée, l'ULPGL a inscrit plus de 900 étudiants et projette offrir l'année prochaine des enseignements suivant le système adapté au programme LMD. Enseignement supérieur et universitaire en province de Lomami, l'Institut supérieur des techniques médicales de Cabinda ISTEM vient d'éjecter de la communauté étudiantine 224 lauréats ce samedi 30 octobre 2021, dont 27 au niveau des licences et les restes en graduat. Au cours de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2020-2021. Ces statistiques ressortent du rapport académique présenté par Madame Catherine Kabika Ilunga, suivi de celui du directeur général et chef des travaux André Nyongonyu Kongolo, qui a brossé les grandes réalisations de l'ISTEM Cabinda. C'est là, avant de coller les grades académiques aux 224 lauréats répartis en quatre filières au moins. Devant plusieurs autres invités pour la circonstance, Jean-Marie Mohala, représentant personnel du gouverneur AI de la province de Lomami, a trouvé des justes mots pour féliciter les comités de gestion, les lauréats et clôturer l'année académique 2020-2021 à l'ISTEM Cabinda. Voilà, vous nous avez suivis à Bukavu, dans la partie est de la République démocratique du Congo et partout ailleurs dans le monde. Ce journal, c'est terminé par ici. Merci de votre sympathique attention. Retrouvez à 20h Françoise Bouila et moi je vous retrouve demain à 19h avec le même plaisir. Au revoir.